et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va préparer des légumes aux épices à la cocotte. Ça va être très rapide. Pour cette recette, il nous faut un bol de chou-fleur coupé en morceaux, une pomme de terre coupée en dés, un demi-bol de petits pois surgelés, une gousse d'ail et un peu de gingembre râpé, quelques feuilles de coriandre fraîche, quelques bouts de piment rouge facultatif. En épices, il nous faut une cuillère à café de curcuma, une cuillère à soupe de curry, une cuillère à soupe de tomates concentrées, une cuillère à café de graines de cumin, quelques poivres et deux clous de girofle. Il nous faut également de l'huile, de l'eau et du sel à votre goût. Je chauffe un peu d'huile dans la cocotte. Ensuite, j'ajoute les graines de cumin, les clous de girofle et poivre, les morceaux de piment rouge. Ensuite, j'ajoute les légumes. J'ajoute la pâte de gingembre et l'ail, les épices, je les mélange bien, j'ajoute le concentré de tomates, j'ajoute un peu d'eau pour pas que les épices brûlent. Ensuite, je laisse cuire les épices 2 à 3 minutes. J'ajoute un petit verre d'eau. J'ajoute le sel. Je le mélange bien. Et je mets le couvercle. Vous les laissez 2 minutes à feu vif à partir du moment où le bouchon de pression est monté. Si vous aimez les légumes moelleux, vous les laissez 3 minutes. Je les décore avec les feuilles de coriandre fraîche. Bon appétit.